Bonjour à tous, ici Wetiré. On se rejoint pour le 22e épisode sur Alliance Colonial Marine. Aujourd'hui, on va s'occuper du dernier canon qui est là, qui est en face de nous. C'est parti. Oh oh oh! Range-les. Bon, il est en 34. Ah, il est là-dedans. Tiens. 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 Où ça? Faut aller où? Ici 6-5, missile armé, deux lancés. Impact confirmé. Intérêt, Raider. On garde l'œil sur notre autre navette. Il pourrait y avoir des survivants. On n'abandonne pas un marine. On l'inspecte. Bien compris. Les survivants sont là-bas. Ok. Encore des xénos. Encore des xénos. Oh, un crasher. On avait un crasher. Oh. Ah ouais, faut que je passe, il y a une fois que j'avais vu un autre chemin. Oh, on a encore des xénos. Ah, fallait passer par là. Ah, ils sont là. Ah, oh. Les champions sont là. Ah, faut qu'on tue les xénos, je crois. Avant de leur parler. Oh oh. Elle est là, la reine. Oh oh. Oh, c'est réveillé où? Non, 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 non. J'ai pas encore de me faire choper par la reine. Oh. Non, 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 non. Oh. Par contre, elle est grosse. Ouais, les balles, elles font rien. Les balles, elles font rien. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je crois qu'il faut que je la fuis. Oh, je suis mort. Oh non, elle fait juste, elle pousse seulement.
On se dépêche, on la suit. On va devoir suivre la reine. Encore des xénos. Alors qu'on a une reine des xénomorphes à suivre. Oh non, encore des rôdeurs. Ah là, c'est ici. Ah non, c'est pas ici. Encore rôdeur. Ah non, ils sont gravés, c'est ceux-là. Je pense que ce sont les xénos, les plus rapides. Ah oh. Et ce sont les plus puissants. Je sais pas. Par l'acide. Quand je vous l'ai dit, les rôdeurs sont les xénomorphes les plus rapides et les plus puissants. Mais vraiment, vous avez vu comme il m'a sauté dessus à la distance qu'il est. Mais comme d'habitude, je vous dis, les xénos, c'est quand même ultra rapide. C'est plus rapide qu'un humain. Ah, il est là! Ah non, c'est pas un rôdeur, c'était un guerrier. Par contre, ça, c'est un guerrier! Encore un guerrier! Là, je crois que je vais prendre le fusil à pompe. Crevez les xénons! Oh, ça c'est un rôdeur. Dessus. Commandant, le vaisseau, on l'a loupé. Le vaisseau est en vol, je répète. Le vaisseau est en vol. Ah oui. On attend d'or. Ah ok, on a un vaisseau qui est lui. Mission suivante, on était... Ah, je sais plus quelle mission on a fait.
Bon, on a fini la... Je crois que c'était la 9e mission. On est parti pour la dernière mission, je crois. Mission 10. Je me souviens, c'était la 9. D'ici, Bishop. Winter. Reed, il est coincé. Trouve un moyen de sortir d'ici avec Bishop. On n'abandonne personne, ok? J'essaye de le sortir de là pendant que vous tentez d'ouvrir le sas. Je vais faire passer O'Neill, Reed et X par la trappe de maintenance afin de pénétrer à l'intérieur. Je dirais qu'on a environ 8 minutes avant de quitter l'atmosphère. Attendez! Commence pas. On bouge. Bien compris. On continue! Comment ça va chez vous, chef? On a 8 minutes, chef. Je vais trouver le moyen de vous sortir de là. Bon, enfin, les amis, on va... Bon, je pense que c'était l'épisode le plus court. Hein. Si vous avez aimé le 22e épisode sur Alliance Colonial Marines, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sous cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!